Bonjour et bienvenue sur la chaîne Christo Pedro. Aujourd'hui, on se fait des pumpernickels. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En ce qui concerne les ingrédients, vous aurez besoin de 3 œufs de petite taille, de 250 g de sucre semoule, de 8 g de cannelle en poudre, de 250 g d'amandes entières grossièrement coupées, de 260 g de farine et pour la déco, de 100 g d'amandes effilées. Commencez par incorporer les amandes entières dans le bol Thermomix et procédez à une pulsion turbo d'une seconde, une à deux fois si besoin. Réservez les amandes, nettoyez le bol et incorporez le fouet. Ajoutez vos 3 œufs, le sucre. Refermez et programmez un mélange de 20 minutes à vitesse 3. À la suite de cela, vous allez ajouter la cannelle et procéder à un mélange de 30 secondes à vitesse 3. Ôtez le fouet. Ajoutez la farine. Ajoutez également vos amandes réservées. Et vous allez pétrir pendant une minute. Voilà, la préparation est terminée. Je vais pouvoir la transvaser dans une poche à douille. Alors là, ici, c'est une poche à douille jetable. Je fais un gros trou pour pouvoir former des gros boudins. Voilà le résultat. On peut constater que les boudins font 4 cm de largeur. Je les espace bien et je vais pouvoir garnir d'amandes effilées. À la suite de cela, je procède à une cuisson de 30 minutes à 180 degrés. Dès la sortie du four, je commence la découpe de mes pumpernickels en tranches parce que en refroidissant, ils durcissent et je peux vous garantir que c'est une vraie tuerie. Je les dépose sur une grille, constatez le résultat, c'est vraiment super bon pour les fêtes de Noël. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Cuisto Pedro et d'activer la cloche de notification sans oublier un petit like. Bye bye.